gonfler. Hey, what's up? What's good? What's popping? J'espère que vous allez tous et toutes super bien. Je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo make-up. Comme vous le voyez, j'essaye vraiment de faire des looks un petit peu différents de d'habitude, des choses qui changent. Je m'inspire beaucoup d'une youtubeuse qui s'appelle Makeup Tiffany G. Donc c'est elle qui m'a inspirée pour ce make-up. J'ai changé un petit peu certaines choses. Par exemple, le rouge à lèvres. C'est vrai qu'elle est très très douée. Je suis pas encore arrivée à son niveau, mais... j'essaye, tu vois, avec la persistance comme on dit. Alors du coup voilà, le make-up, le look final. Alors j'espère que vous aimez ce make-up, que vous aimez ce look. Je vous invite à liker, à vous abonner et à commenter dans la vidéo. La perruque que je porte en ce moment vient de On Fleek Hair. Sincèrement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. S'il y avait juste une chose que j'aurais à redire, c'est juste par rapport à la densité de la perruque. Mais bon, ça, c'est quelque chose que vous pouvez choisir après. Quand vous faites votre commande, la densité, vous choisissez si vous voulez du 150, du 200. Voilà, vous choisissez la densité. Mais sinon, à part ça, la couleur est magnifique. Genre, vraiment magnifique. J'aime trop. Et sur ce, je vais pas faire une super longue intro. Je vous laisse avec la vidéo. C'est parti. Mes sourcils, ils ont pas du tout la même forme. Mais sincèrement, on s'en fiche. Là, je vais venir utiliser mon anti-cerne NARS Radiant Creamy Concealer en teinte amande. Ensuite, je vais commencer par utiliser ma palette. Donc, c'est une palette que j'ai achetée au marché. Elle coûte 1€. Je vais venir utiliser cette couleur juste là. Donc je vais saturer mon pinceau avec cette teinte. Et là, je vais venir utiliser ce vert un tout petit peu plus clair, mélangé à ce vert-là. Et je vais venir estomper le tout, en fait, juste au-dessus. Et là, je vais utiliser la palette Return of the Jet Eyeshadow. Donc, et c'est une palette avec plein, plein de couleurs. Et j'ai utilisé cette teinte vert très, très foncé. En fait, ça va me servir pour ombrer mes yeux. Je sais que là, tout de suite, ça... fait très peur, mais vous inquiétez pas, ça va donner le résultat escompté. Alors on va continuer, j'ai ma petite palette là de fard crème, donc je vais venir prendre le rose, ce rose là. Et je viens tapoter juste au milieu là. Donc je tapote en fait, je ne tire pas la matière parce que si je tire la matière, j'ai mis des fards tellement foncés que ça risque de tirer la couleur aussi. Du coup, il faut vraiment être minutieux et patient. Ça sert à rien de faire le speed. De toute façon, c'est pas un make-up que tu fais quand tu es dans le speed. La concentration est à son maximum. My God. Alors là, je vais venir prendre cette teinte un peu saumon. Mais du coup, je veux pas que ça reste comme ça. Du coup, on va venir estomper les deux couleurs. Ok. Bon. Ça ressemble plus ou moins à ce que je veux. Je vais venir utiliser le fond de teint NARS Sheer Glow en teinte Manaus. Donc c'est une teinte un tout petit peu plus foncée que ce que j'utilise d'habitude dans les teintes de NARS.
Ensuite, tu prends mon beauty blender. Maintenant, je vais venir prendre mon anti-cerne tarte. Oh, là, je viens mettre ma poudre black opale. Tout petit peu. Je vais venir faire mon eyeliner et les faux cils. Et là, je vais venir mettre mon highlighter. Du coup, j'utilise l'highlighter de la marque Fenty Beauty. Et je vais venir utiliser cette teinte. Bye, dear chat. Kill this bit for me. Et là, on va venir faire les lèvres. So, vous connaissez déjà mon combo. Donc ça, c'est un lipstick de la marque Maisha.